Et oui, on se retrouve pour un petit Big Game of Ski. On continue l'exploration de l'univers merveilleux des générateurs de boulettes en retournant à différentes époques de l'histoire. Et là, on se retrouve en 1990 avec une production de Capcom, ma foi, fort désirable, bien que peu originale, qu'est Carrier Air Wing. Alors, c'est un shoot à scrolling horizontal qui reprend pas mal ceux qui existaient avant en thème avion. Et donc, niveau originalité, là, on ne peut pas donner un 20 sur 20 à Capcom, vu que c'est de la pure ressucée de ce qui a été fait ailleurs. Ceci dit, vous allez voir que ça a été réalisé d'une manière fort alléchante et fort accomplie, et que ça fait partie des shoots que je recommanderais d'avoir dans une bonne ludothèque. Et oui, celui-là, c'est un validé. Vous allez vite voir pourquoi. On n'est pas avec des grosses définitions de tueur, on n'est pas avec des grosses fonctions de tueur, mais le jeu fait son boulot de vous faire avancer, de vous faire quand même quelques petites surprises. C'est pour ça d'ailleurs que je ne le streamerai pas en entier, bien que c'est pas l'envie qui manque. Le principe est très simple, c'est en bas votre jauge de fuel, de carburant. Bah, en fait, c'est tout simplement vos dégâts aussi, hein. Ça veut dire que si vous ne reprenez pas régulièrement certains bonus pour remonter votre jauge, bah vous finirez par péter comme une grosse merde volante qui s'écrase au sol. Je pense que j'ai pas mal résumé, qu'on va pouvoir insérer sauvagement la monnaie sonnante et trébuchante qui nantit nos poches depuis des siècles et qu'on meurt d'envie de donner à des gens. Vous noterez qu'il y a aussi une petite partie évolutive dans le jeu. Heavy, ça se faisait déjà à l'époque. Vous allez pouvoir choisir votre oiseau de malheur. Et en plus de ça, vous allez le voir sur l'écran d'après, vous pourrez sélectionner l'armement que vous pourrez équiper selon vos moyens. Car plus vous serez bon à chaque niveau, ben, plus vous ramasserez de l'argent et plus vous pourrez customiser votre appareil. Donc c'était un poil quand même en avance par rapport aux collègues sur ça. Et vous allez voir que la réalisation est loin d'être dégueulasse. On va accélérer un peu le débat. Donc voilà la boutique. Au début, vous démarrez avec 15 000 et vous pouvez vous installer différents modules selon le type d'avion que vous avez choisi au démarrage. Je vais prendre ça. Allez. Hop. Avanti, muchacho. On va accélérer un peu le truc. Voilà. C'est bien. Et les softs faits par des professionnels qui comprennent les attentes du joueur qui ne veut pas avoir toutes les cutscenes parce qu'il a peut-être un peu d'autres choses à foutre. C'est du Capcom, je les aime. Bon, vous voyez, c'est pas très très glamour au niveau finesse graphique, mais c'est animé super clean, c'est rapide, ça fait super bien son job. Et là, je viens de constater que Mightbox est assez riquiqui pour pouvoir me permettre des petites fantaisies, ce qui me fait un grand plaisir. Et donc je vais me faire devoir d'éradiquer toute cette menace volante à grands coups de missiles dans la tuyère. Oui, parce qu'il faut que je vous dise quand même que j'ai un passé où j'étais une doublure de Papy Boynton. Donc c'est pour ça que je suis pas mal doué sur les jeux d'avion en général. Sauf qu'il se rapproche trop du véritable. Où là, pour les simulateurs en général, c'est un carnage pur et ça. Alors, j'ai un autre tir, hein, je vais vous faire voir. Hop, voilà. Mais je crois qu'il me bouffe ma jauge aussi. Ça va mal se terminer. Eh oui. Il m'a bouffé ma jauge. Oui, je continue. C'est dommage, il lui reste peut-être trop haut à prendre dans le buffet, là. Voilà. Carrière commande. Validé de chez validé, je vous le dis. On n'est pas là pour plaisanter. Ça se saurait. Donc là, on retourne entre les différents stages du jeu, ben, pour éventuellement, si on peut, un briefing sur le prochain ennemi, et si on peut, ben, s'équiper selon ses moyens. Pourquoi j'ai comme ces autres trucs qui sont en dessous? Et si je fais juste exit, ça me donne le prochain. Ouais, cool, je peux essayer ça. Full tank. Oh! Et ça, c'est quoi? Chill. C'est pas bon, ça. Je prends celle-là, tiens. Et ouais, j'y vais comme ça, avec mon chasseur et mon couteau. Mais on est un Top Gun ou on n'est pas. Alors vous allez voir les petites subtilités quand même que vous ont réservé les programmeurs.
Donc là, on va se balader un peu dans le milieu beaucoup plus urbain. Et il y a 2-3 surprises au passage. Déjà, vous allez pouvoir quand même choisir vos chemins. C'est pas mal. Bon, là, je suis totalement isolé de ce qui est en dessous, mais quand je vais vouloir descendre, ça va être la fête à mon slip, hein. Je vous le dis tout de suite. Allez, on va tenter la descente. Surtout qu'il y avait un bonus. Donc sur ça, déjà, un bon point niveau originalité. C'est vraiment sympa qu'on vous propose ça comme. Non, mais j'ai pas de tir secondaire du coup. Moi, je me suis mis un peu dedans, je crois. Ah, c'est bien beau d'avoir une grosse cuve, mais quand t'as plus de tir secondaire, t'as l'air un peu cake. Et puis qui te balance en plus un petit tank. Plus des. Je déteste les gens qui viennent garer les hélicos sur mon cockpit. Je trouve ça très très désagréable et sale à la fois. Alors, les passages Rémi-Julienne dans les immeubles, ça va être chaud. Et je vous garantis qu'il y en a quelques-uns. C'est pas mal. Donc, rien que ça, ce sont des petites attentions qui font que, bah, dans le jeu, vous trouvez que c'est quand même super chouette. Ça vous change de ce que vous avez pu voir ailleurs. Donc, il y a un petit côté run et je me ferai un chemin. D'ailleurs, là, je suis obligé de carrément péter moi-même mon immeuble pour arriver à faire quelque chose. Sachant que je n'ai pas de tir secondaire, là ça passe bien, mais je crois que le prochain, ça va être une très mauvaise pour moi. Une très mauvaise nouvelle pour moi. Surtout que je suis un petit peu harcelé par ces crétins d'hélico là, qui me collent au réacteur. Ça va pas très bien se finir tout ça, je dis. J'ai toujours pas d'armes secondaires, faut que j'y pense à ça. Donc ma jauge descend inexorablement quoi qu'il advienne. Oh, on prévient qu'on tire, monsieur! C'est quoi ça? On n'a pas été élevé au même endroit, hein? J'ai pas de tir secondaire, comment je vais pleurer? Je vais rentrer chez moi à la maison parce que vous m'emmerdez. Je crois que lui, il va me coûter beaucoup de crédit. Il va me coûter énormément de crédit, je le sens. Peur de rien, le budget, toute façon, de ce stream est illimité. On rajoute des sous et on y retourne. Toujours à poil, hein. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Oh, il m'a mis des missiles. Joie. Joie. Meurs. Meurs, multipathe mutant du cosmos, de la malédiction satanique des poneys unicornes. C'est un peu violent, un colis, quand même. Hein. Ah, il restait 3 tirs. Je suis déception totale. Vous voulez voir la suite? Allez, on se fait la suite, mes prochains game over. Chut, je boucle quand même qu'il voit des surprises pour vous. Vous avez vu que le jeu quand même bien foutu. C'est juste un petit souci de définition qui fait que, bah oui, aujourd'hui, il fait totalement vidéo. Mais ceci dit, sur une console portable, par exemple, ça peut avoir de la gueule. On enchaîne. Pense à t'acheter de l'équipement, toi. Alors. Super bombe. Ou bombe. Super bombe, ne soyons pas radins. Et une réserve de ou un shield ou un super shield. Ouais, je vais faire le radin. J'ai gardé pour. J'ai dit que je streamerai pas après, mais bon. Je pense que je vais passer ce niveau les doigts dans le nez sans faire toucher une seule fois et que vous serez obligé de voir après le boss qui va arriver. Oui, ça me prend. Des fois, je joue bien correctement. C'est pas de la volonté directe, mais ça m'arrive par accident quoi, de faire des trucs bien. Comme pas ici par exemple. Mais il me plaît ce petit shoot en fait. C'est ça qu'il faut que j'avoue. C'est que. Il est tellement jouable. Alors on peut pas dire qu'il est joli. Mais un shoot, avant qu'il soit joli, on lui préférera effectivement avoir des patterns amusantes qui nous fassent un petit peu l'enfer. Ah, un petit côté silkworm avec les trucs qu'on balance au sol, c'est marrant. Faut que j'arrête de tirer. Ah putain, était là ma réserve. Je suis dégoûté. Tiens, pour ta réserve, couillon.
commence à s'exciter, j'ai l'impression. C'est ça, fais des allers-retours, espèce de lâche! Bon, il y a un truc sur lequel je peux être un poil critique, c'est les bruitages. Qui, quand même. Alors, je regarderai la date, c'était 92, hein, il me semble. En 92, je suis désolé, on faisait quand même plus propre. On sent que le méga au son, c'était. Oui, alors j'ai consulté ma banque de sons libres de droit, plus ceux que j'ai fait ce matin en rentrant du marché avec mon filet garni. C'était peut-être le fameux Jean-Michel Bruitage, salut à toi, joueur du grenier, qui s'est occupé de faire ouais, cette compile de sons faits à partir de papier craft froissé et autres objets que je ne peux pas nommer, qu'on frotte les uns aux autres. Peut-être. Je vais mourir, je le sens. Mais je continue parce que j'aime bien arroser. Ah, j'ai plus de bombe. Ah, bah, je vais certainement mourir. Oui. C'est marrant comme un doute peut devenir une certitude dans un shoot assez rapidement. Et c'est dans les moments de tension que vous remarquerez que je commence à jouer à peu près correctement. C'est quand même étrange. Ça veut dire que. Ah, c'est fini. This is the end. J'ai dit quand même que je ne le faisais pas en entier pour pas vous le spoiler intégralement. Donc je vais m'abstenir de continuer, mais je ne peux que vous recommander ce titre, ce carrière recommande, qui est un jeu vintage, mais qui reste foutrement jouable malgré ses 30 et quelques années d'âge. Donc foncez dessus, c'est sympa, ça vous fera un break contre deux shoots modernes, et vous pourrez épater la galerie par votre culture du shmup que vous aurez acquise grâce à The Big Gamowski. Et qui vous aura permis de trouver cette petite perle de carrière Airwing. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et je vous dis même pas de quoi on ne parlera pas dans le prochain stream, car je suis un poil taquin, parfois ça m'arrive. Ciao.